Bonsoir, c'était nuageux et frais ce mardi, sauf dans le sud-est où malheureusement on a encore de violents incendies dans le département du Var. Ici, des images vers Gonfaron la nuit dernière, plus de 5000 hectares sont partis en fumée. Le feu qui ce soir est circonscrit mais pas encore maîtrisé. Le soleil va dominer à nouveau pour ce mercredi matin dans le sud-est du pays, mais c'est bien le seul secteur où il fera beau, parce qu'ailleurs comptez sur de la grisaille avec quelques bruines dans les régions du nord-est et très peu d'évolution. À signaler pour l'après-midi, le soleil surtout vers la Méditerranée avec Mistral et Tramontane dans leur domaine. Les températures de ce mercredi matin, comprises entre 11 degrés à Aurillac et 22 pour Nice, l'après-midi, elles restent fraîches pour la saison, seulement 17 degrés pour les Ardennes, 19 du côté de Metz, 20 degrés à Paris, la chaleur seulement pour la Méditerranée avec 29 à Perpignan et 31 pour Marseille. Assez peu d'évolution pour la journée de jeudi, des nuages dominants dans les deux tiers nord, mais du soleil toujours entre le midi toulousain et la Méditerranée. Températures qui vont légèrement remonter, 23 degrés pour Paris, 25 à Lyon, encore autour de 28 à 31 pour la Méditerranée. Vendredi, on va retrouver une belle amélioration avec un franc soleil cette fois-ci sur toute la moitié sud. Au nord, un ciel variable, souvent plus ennuagé entre la Bretagne et la Belgique. Il fera relativement chaud pour l'après-midi, 25 pour Rennes, 26 à Paris, 28 degrés pour Lyon, 30 à Bordeaux et 32 à Marseille. La journée la plus chaude de la semaine, ce sera samedi, avec du soleil quasiment partout. Les 30 degrés seront atteints et dépassés au sud de la Loire. Peut-être en fin de journée, une petite tendance orageuse dans le nord-ouest que l'on retrouverait dimanche dans l'est, mais sans doute assez désorganisée, avec le retour des nuages par l'océan où les températures vont assez nettement reculer, et puis des valeurs à peine de saison pour lundi et pour mardi, avec un ciel plus ou moins nuageux, peut-être quelques ondées ou quelques orages, surtout dans le flanc est du territoire. Ce soir, direction le département des Hautes-Alpes, où il y avait encore beaucoup de soleil aujourd'hui, de très belles conditions, ici à Puy-Saint-Vincent, avec cette belle carte postale aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Nous serons demain, le mercredi 18 août, et nous fêterons la Sainte-Hélène. Bonne soirée et à demain.